Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'autre War in the North. Oh yeah, ça commence fort avec du combat, plein de combats, nous nous sommes fait attaquer par des orques, oh putain et par un troll, je n'avais même pas remarqué. Mais oui c'est vrai, ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné de ce jeu, alors forcément, j'oublie un petit peu. Oulala. Et donc ce troll des cavernes qui sort de je ne sais où, nous sommes dans la montagne, rappelons-le, je ne me souviens absolument plus des péripéties dans lesquelles nous étions embarqués. Ah oui, on est dans la montagne, alors c'était l'aigle qui nous avait conduit, si je dis pas de bêtises. Et finalement, en fait, on devait aller à un fort, on devait se rendre à un fort orc. Parce que voyez-vous, en bas ça se bouscule, il y a de l'armée, bon apparemment il y a des déplacements militaires de la part des orques pour aller je ne sais où. J'ai oublié mais bon, ce sera l'occasion de se rappeler tout ça. Ouh, attendez, il y a un truc ici, attendez, je peux pas la récupérer ça? Ah non, ça doit être dans le décor. Bon, l'orque a été... Ouf. Ah non, il est toujours pas mort. Bon, on va le faire à... Bam! Il est bugué, le troll est bugué. Ouais, j'ai l'impression qu'il veut exécuter une action, mais que le rocher l'en empêche ou quelque chose comme ça. Alors comment... Ah oui, voilà, c'est comme ça. Bon, bah écoutez. Ça l'a débugué, j'ai l'impression. Je sais pas ce qui... Ouh, il a pas aimé le 1300 dans ta face! Oh! Magnifique. Du coup, bah, j'ai gagné un putain de stuff. Alors, j'ai gagné aussi un niveau. Hein. Il va falloir ajouter 3 points. Et mon casque. Oh, mon casque. Mon casque. Donc, comme d'habitude, tac, résistance, tac, comme ça, voilà. Là, on est à égalité, c'est parfait. Mon œil commence à devenir bien claqué. Alors, je peux choisir une compétence de ce fait. Le cri de guerre déplace l'attention des ennemis sur l'œil et inflige des dégâts plus importants, ouais. Réduit le temps de recharge de vos compétences actives, ça, c'est intéressant. Remplacer le balayage par une série d'attaques ciblées rapides nécessite une épée. Ouais, je me battrai pas toujours à l'épée, donc... Active le cri de guerre près d'un allié à terre pour le ranimer instantanément. Oh, ça, j'achète direct. Alors, ça, j'achète direct. Bah, j'ai qu'un point de compétence de toute façon. Et oh bah, j'ai un succès aussi. Les résultats, je vais encore regarder. Je suis désolé dans mon... comment on fait? Ah voilà. Non, attendez, c'est où? Ah, jambière, voilà. Alors, du coup... c'était ça, jambière du chevalier. Non, j'ai pas l'impression. Plus 3 de force. Ouais, ça... ouais, on va mettre ça. Parce que ça nous donne plus 3 de force. Allez, c'est parti, on avance. Parce que c'est vrai que... Alors... Oui, voilà, c'est comme ça. C'est avec cette gâchette-là qu'on court. Bon, encore des ennemis au loin. Il va y avoir sûrement des orques placés sur les échafaudages. À l'arc, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Nous avons les caches en léger. Oh, je suis étonné. Bébé. Oula, il y a eu un petit bug. La texture de la neige est pas si dégueulasse que ça. Regardez, bon, bien sûr, mes pieds traversent le sol. Et un petit lac gelé ici. Non, franchement, ils ont fait un effort sur des détails, des quelques effets. Vous voyez, par exemple, là, quand je me traîne dans la neige, quand je fais des roulades, bien, mes vêtements sont couverts de neige. Enfin, de givre. Ouais, de givre ou de neige. Ah, bah tiens, j'ai encore gagné du stuff. Décidément, on gagne vraiment beaucoup de choses dans ce Seigneur des Anneaux. War in the North, dès qu'on tue des orques. Enfin, on gagne vraiment du stuff. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, je suis toujours en compagnie de fou des jeux vidéo. Qui est là, il est là, il est beau, il est magnifique. Mais attention, mon petit. Oh. Oh. Regardez, il y a plein de givres. C'est beau, les givres, c'est beau. Ouh, ils ont des sales têtes. Alors, je suis pas très sûr d'avoir bien compris l'enjeu de la cinématique et le but, l'objectif, quoi. Mais bon, à mon avis, c'est que ça doit être très utile. Bon, alors, par contre, ici... Ah, ben voilà, il y a une petite grotte, il y a des pépites. Oh, génial. Tout ce qui brille n'est pas or. Eh, pour le coup, si. Ouais, grosse pépite d'or. Ça se revend bien. Ça se revend très, très bien, même. Ouh, et en plus, j'avance dans la grotte. Hop, ah merde, je peux pas prendre l'ambre façonné. Bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, j'ai déjà assez de thunes. Écoutez, on va d'abord choper ça. Yeah. Grosse pépite. Et encore un coffre.
Mon petit fou du jeu vidéo, j'espère que t'avances pas trop loin. J'ai l'impression, non, il est pas revenu. Non, je n'en sais rien. Hop, voilà, donc ce petit moment de calme et de silence. Grande épée, et encore un succès décidément. Jean-Bierre le montagnard. Ok, ça on s'en fout. Non, si c'est ça. Alors j'ai du stuff à mettre. Ah bah tiens, là je peux pas le mettre. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est plus pourri. Alors ça, Jean-Bierre du montagnard. Yeah, ça par contre je mets. Jean-Bierre du montagnard, j'ai gagné des épaulières aussi, il me semble. Ouais, mais elles sont beaucoup moins puissantes. On s'en fout. Allez hop, on cavale, on retourne en compagnie. Enfin, on retourne aux côtés de fou des jeux vidéo qui a avancé. Il a avancé, le petit fou des jeux vidéo. Il est loin, il a dû buter tous les orques. On voit son pseudo de loin. Mais donc je disais, je vais profiter de ce moment de calme pour vous parler de quelque chose. Cet après-midi là, on est mercredi après-midi. Bon, je finis à 13h. J'ai passé, on va dire, 2h30 à retravailler l'intro et l'outro de mes vidéos. Et je suis arrivé enfin à quelque chose de potable et qui me plaît. Sans être trop long au niveau de l'intro, surtout parce que bon, c'est vrai que. Qu'est-ce qui se passe? Ah mince! Flûte! Je vais devoir le réanimer. Wow! Attends, la roulade! Oh! Aïe, putain, il m'a défoncé. Attendez, je bute juste cette taupe. Putain, c'est quoi la roulade? Mais c'est cette touche, évidemment. Allez, meurs! 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 Non, il flûte. C'est bon, il est décédé. Ah, j'ai récupéré toute ma vie. Ah, mais elle a mis... Mais merde, là, j'arrive pas à gérer les esquives. Parce que je me gourde de touche. Ok, je vais enfin pouvoir vous parler. Surtout, donc j'ai raccourci l'intro. Parce que il y avait quelques-uns d'entre vous qui se plaignaient qu'elle était trop longue. Et c'est vrai, pour le coup, c'est vrai. Mais bon, j'avais mal géré au niveau du temps des transitions. Résultat, c'est vrai que ça donnait quelque chose d'à peu près plus de 30 secondes, si je dis pas de conneries. Ah, un esgule. Et résultat, bon, c'était chiant, quoi. À la longue, c'était chiant, il faut le dire. Mais j'ai raccourci un petit peu. Bon, j'ai légèrement changé le format aussi. Bon, vous verrez, de toute façon. Moi, ça me plaît, je pense que je vais prendre ça. Et enfin, je vais l'implanter dans mes prochaines vidéos. Et d'ailleurs, ça va me permettre d'introduire un nouveau Let's Play Surprise. D'ailleurs, je pense que je vais sortir une vidéo pour vous présenter mes projets. Oh putain, j'ai esquivé, pourtant il m'a eu. Je vais vous faire une vidéo pour vous présenter mes futurs projets. Là, j'ai un petit Let's Play, là, je me suis procuré un jeu. Et je pense que ça va être génial. Vraiment génial. Ça risque d'être épique et je vais vous faire une vidéo pour faire une petite surprise, vous allez voir. Je pense aujourd'hui, hein, si j'ai... Oui, normalement, je pense. Oh, 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 marteau de Gerinor. Putain, là, je prends cher. Il y a des archers. Faut niquer les archers. Faut niquer les archers. Va au diable. Voilà, alors, un décapité. Voilà, maintenant, on fait lui. Eh, hey, il est pas mort. C'est bon, il est dead. Ah bah tiens, il y a un hôtel, c'est parfait. Attendez, c'est un hôtel ça. Ouais, c'est un hôtel. Génial, je vais pouvoir vendre du matos. Ah non, ça c'est un coffre. Ok, ça c'est parfait. Et bon, on va aider notre ami fou des jeux vidéo. Oh, il y a un petit chemin ici. Attendez, ça c'est la suite. Non, ok, ça c'est la suite. Bon, allez, on va le finir lui parce que... Ouh, le headshot. Il commence à devenir chiant. Ok, c'est bon, il est décédé. Yes. Donc avec l'arrivée de ces nouvelles séries là, parce que j'ai vraiment envie, vraiment, c'est vrai que je me rends compte que il y a un peu trop la même chose sur ma chaîne depuis un temps. Donc je vais essayer vraiment de changer. Oula, j'ai eu un petit bug. Je vais, eh bien, vous proposer d'autres séries sur d'autres jeux différents que je n'ai pas fait encore, mais vraiment je vais 2-3 jeux là qui seront différents, notamment je vais pousser un peu l'aspect aventure et peut-être aussi gestion stratégie, un peu les deux. Voilà, de toute façon c'est quasiment pareil, j'espère que vous me comprenez. Voilà, du coup j'ai rien d'autre à vendre ici. J'ai un tech, ça je vends, ça j'ai pas besoin, ça je vends, je peux pas m'en servir, ça aussi je vends. Du coup les armes, Ça aurait pu être bien, mais je vends. Et ça aussi, ça aurait pu être bien, mais je vends. Au niveau des frocs,
Ça je vends, ça je vends. Et ça je vends. Voilà, c'est bon. J'ai fait mes petites emplettes achetées demain. Ah, cadeau, génial. Il m'a offert un cadeau, mon petit fou des jeux vidéo. Par contre, on va voir si je peux acheter des popos. Ouais, on va acheter des popos de mana. Ok. Voilà. Et j'ai reçu un cadeau. Attendez, je regarde juste ce que c'est. Yeah, épée à deux mains. Qu'est-ce que c'est? Voyons voir ça. Alors. Ouais, elle est un peu moins bien. Bon, je vais la garder parce que c'est un cadeau. Je vais pas la vendre tout de suite. Ce serait un petit peu dégueulasse. Ok, on peut passer. C'est parti. Allez, go! Ah, on peut plus revenir en arrière là. Allez, chacal. Allez, chacal. Ouh, tu es très perspicace, mon cher. R, c'est quoi R? R. Non, R, c'est ça. R. Je sais. Je sais pas que. Je sais pas ce que. Mon dieu. Il prend très cher le troll. Génial. Faut des jeux vidéo, activer le l'aigle. C'est parfait, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Yeah! Tellement d'esquive! Tellement d'esquive! J'ai compris là. Hein? Ah, là j'ai pas compris. Là j'ai pas compris par contre. On va se prendre une petite popo de mana. Voilà, la flèche de gauche, touche fléchée. Je vous rappelle que je suis encore. Ouh, le. Oh, le finish! Dead finish! Je vous rappelle que j'ai, je suis encore à la manette Xbox. C'est pour ça que ça m'a ouvert la possibilité à d'autres jeux qui pourraient être vraiment sympas en vidéo. Oh putain, encore un troll. What? Putain. Deux trolls. Vous êtes sérieux? Ah là, ça c'est... Ok, je me suis fait défourailler la tronche. Oh putain. Vas-y, 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 vas-y. Viens là, septième merde. Oh là là, oh, je vous vends du rêve. Merde. C'est quoi les popo 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 et popo de mana. Oh la vache, oh là là, ça c'est beau, ça c'est beau. On peut vraiment faire des esquives. Putain, je me fais démonter. Ouais, bah oui, je suis à terre. Ouais, frappez-vous. Non. Ouh. Putain, j'ai eu de la chance. Allez, on va faire l'arbalète, l'arbalète, l'arbalète. Putain, ils ont vraiment... des sales gueules. Mais... Ah, mais merde, il se retourne, j'ai toujours pas compris l'attaque. Et qu'est-ce qu'il fait, mon petit fou des jeux vidéo, là? La sphère de lumière. Sphère de lumière. Oh la vache, putain, mais je comprends rien à leurs attaques. J'ai besoin d'une popo. J'ai besoin d'une popo. Hop. On va passer un tout. Ouh, le coup dans le dos, il a pas apprécié par son pote. Il a pas apprécié. Et je sens que. Oh la vache. Yeah, vas-y, c'est ça, frappez-vous, frappez-vous. Oh là, il a pas aimé ça. Ah la vache. Maintenant il se retourne. Ah. Merde. Merde, 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 merde. Je suis dans la merde, ils sont tombés tous les deux. Quoi? La vache, la vache, la vache. Allez, venez, bande de sac à merde. Oh putain. Oh flûte. J'avais une possibilité d'aller réanimer avec mon pouvoir que je venais d'acheter. Mais en fait, deux trolls, c'est juste la merde. Putain, mais les types, ils nous foutent deux trolls. Oh non, on va pas recommencer avec l'autre. Oh, fais chier. Putain, je sens qu'on va en chier, les amis. Je sens qu'on va en chier. Allez, vas-y. Allez, hop, hop. Allez, on frappe. On frappe. Voler de coups. Je me fais démonter. Je me fais... Bah ça par contre, cette attaque, je comprends pas. Le mec, il est face, enfin il est dos à moi. Attends. Ah génial, il est mort. Ok, on peut récupérer le stuff. Clac, 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 clac. Ouh, casque. Oh, on n'a pas le même stuff qu'avant. Ah dommage, il est moins bien. Je vais régénérer dans le cercle là de magie. Attendez, il faut qu'on avance. Il faut ramener, il faut attirer un troll.
Viens là. On va le faire à l'arc. Enfin, à l'arbalète. Il fout des jeux vidéo, le fait à l'arc aussi en même temps. Là, on lui fait pas mal de dégâts. Faut la tirer à l'extérieur. En fait, c'est ça la technique. La tirer à l'extérieur. Putain, il a défoncé l'elfe. La tirer à l'extérieur. Pour le démonter. Par contre, là, il est en train de se faire plaisir. J'ai l'impression que voler de coups est bugué. Oh génial, il m'a sauvé. J'allais prendre la boule de neige. Allez. Putain, ils vont se faire mal, là, ils vont se faire mal. J'ai mes popos, faut que je reste là. Oh putain, cette attaque tournante. Là, ils se font très mal, là, ils se font très 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 mal. Putain. Putain. Oh, je me suis pris une boule de neige dans la gueule. Et je peux pas avancer. Ça, c'est... qu'il se fasse mal hein. On peut pas là, on est dans un espace clos. Yeah. Bon alors va falloir élaborer une petite technique mon cher feu des jeux vidéo. En plus là on en... Faut que j'aille réanimer l'elfe à moins que... Ah non. Génial, l'elfe elle est pas morte. Putain. Ouais, comment il m'a eu là, explique moi Faudrait qu'il y en ait un qui... Putain, putain, putain. Il est mourant. C'est quoi? Yeah! Vous avez vu, ça marche. Oh, par contre, je me suis pris très cher. Donc la technique, en fait, c'est de réanimer en utilisant votre cri de guerre. Oh là là, et cette attaque de chiottes. Tu vas mourir, sac à merde. Oh, je me... Putain. Ah, génial, merci. Oh, je vais tirer dans le bide. Dans le bide. Allez, meurs. Ils veulent pas mourir. Ils sont vraiment très... Et j'ai utilisé une popo de vie, je voulais pas. Allez, meurs. Génial, il est mort. Wouh. Yeah, l'âme des terres du nord. Allez, on y va parce que j'ai bientôt plus de carreaux. T'as le mille dans ta face, tu l'as pas. Putain. Allez, allez. Mais sérieux. Allez, hop. Non, c'est pas ça. C'est bon. Il est mort. Pfiou, fléau de troll. J'arrête pas de gagner des succès en ce moment, c'est génial, ça va me faire monter ma jauge de succès. Bon alors il y a une phase de dialogue, j'ai absolument pas suivi, nous rapprochons. Bon, vous aurez les sous-titres au pire hein. Tant pis, c'est pas grave, on va rejeter du mana. Petite popo de mana. Dis donc, c'est troll, putain, ils sont sérieux. Trois trolls d'affilée là les gars, oh. Bon, je sais que je suis en difficile, mais bon, il y a des limites. Oh, hache de guerre alpine. Il me file plein de cadeaux. Fou les jeux vidéo, c'est vraiment cool. Hop, bon, grenade poli, on s'en fout. Attendez, je vais voir ce qu'il m'a offert. Ou j'ai pas l'impression que ce soit une arme de grande qualité. Ouais, il y a des trucs sympas, c'est dommage. C'est dommage, elle pourrait être sympa. Mais l'épée que j'ai, elle est vraiment pétée. Mais vraiment pétée. Viens voir ça. Oh, elle est minuscule. Ça, ouais, j'aime pas trop. Ça, ouais, bof. Celle-là, elle est vraiment bien. Eh hey, cool, cette épée, je sais pas où je m'en souviens plus où je l'ai trouvé. Ah, un autre checkpoint. Génial. Va falloir attendre les poteaux. Allez, rassembler l'équipe. Ramenez-vous, bande de sacs. Et voler de coups a complètement bugué. J'ai le message voler de coups qui ne veut plus partir. Il reste affiché. Allez, courez. Vas-y, mon petit fou des jeux vidéo, tu peux courir. Allez. En tout cas, le seul indice que je peux vous donner au sujet du nouveau let's play. Ah, il m'a filé des popos, c'est gentil. On va lui dire merci. Le seul indice que je peux vous donner, c'est le mot enquête. Voilà. Enquête. Mais de toute façon, ce qui est un petit peu con, c'est que je vais sortir la vidéo, je pense, présentation avant celle-ci. Donc, c'est complètement con. Bref, je me tais.
une porte. Une mine. Une mine. Non, ce n'est pas une mine. C'est un tombeau. Non. 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 J'ai adoré cette scène. C'est dans le premier Seigneur des Anneaux. Au moment où il rentre dans les mines de la Moria. Les mines de la Moria. Et il y a encore plein d'ennemis. Allez, viens là, sac à merde. Oh, c'est dégueulasse, ça. Son coup est dirigé, quoi. Tu peux pas l'éviter. Non. Je me suis gouré. C'est absolument... Oh la vache, putain. Allez, vas-y. Allez, décapitation. Putain, putain, putain. Putain. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, j'ai eu peur. J'ai plus que 23 carreaux. Non, mais là, ça va pas le faire. Là. Allez, on va s'en faire un par un. Voilà, toi, tu meurs. Yeah, yeah, yeah. Ah, parce que ça fait mal, ces conneries, là. Voilà, vas-y, ça. Je m'en fous, je ne crains pas la douleur. Ah, c'est juste des torches qu'ils ont, ok. Ah, génial. Et... Ouh, succès encore, fléau du Mordor. J'arrête pas d'avoir des succès, je vais bientôt finir les succès de ce jeu. Bon, alors, pourquoi on peut pas rentrer, là? Une porte. Oh, magnifique. Bon point, beau gros plan. J'ai la moustache qui... La barbe. La barbe qui gèle. Qui est... Attends, il y a encore un archer de merde. Ah non, c'est l'elfe qui se fait défoncer. Ah, est-ce qu'on peut l'avoir de là, ouais. Non. Ah, c'est chaud, hein. Putain. La pauvre elfe, elle se fait violenter. Elle se fait violenter. Et elle arrête pas de faire des roulades en arrière, évidemment, ce qui nous retarde comme pas possible. J'aimerais bien avancer un petit peu, ma coquine. Si tu voulais bien mourir. Évidemment, il est mort. Bon, bah allez, hop, on cavale, on est reparti. N'empêche, beau point de vue. On est dans les montagnes, les Nazgûl volent en bas, les armées se déplacent. Que mijotent-ils? Mystère, mystère. Un sérieux mystère, du grand mystère. Il y a eu un violent règlement de compte ici. Les empreintes ne sont pas très claires, mais on dirait que le combat s'est poursuivi dans la montagne. Ouais, si tu pouvais courir, ça m'arrangerait bien. Wouh! Magnifique. Bon, ça, c'était le méga gros checkpoint de la mort qui tue, puisqu'on pouvait changer de personnage. Bon, évidemment, l'épisode va bientôt se terminer, et je suis sûr qu'on va pas trouver de checkpoint. Permettant de quitter tranquillement. Waouh, nos armures sont classe. Quelqu'un est passé ici avant nous. Il y a eu un combat ici très récemment. Les corps, ce sont des nains. Oh merde. Celui-ci est toujours en vie. Oh, elle est pas mal, elle a mis une capuche. Très bien. Venez, sale pourriture. Finissez-en. Ah. Il y a une flèche plantée dans le cœur. Non, enfin pas dans le cœur, dans le poumon. Où? Ah merde, un mec il est apparu. Nous vous aiderons. Andriel, aidez-le. Utilisez votre savoir-faire. Non. Non. C'est inutile. Les flèches sont emprisonnées. Il n'y a pas d'espoir. Oh non. Et vous pouvez aider. Aider mes amis. Oh putain, il disparaît. Le mec il disparaît dans l'espace temporel, spatio, je sais pas quoi. Ouais, c'est dans le... Dans un trou noir, le mec, il est... Trouvez-les. Ils ont besoin d'elle. D'accord. Où êtes-vous ici? Qu'est-ce que vous tentiez de faire? Cherchons une arme. Nous devons la trouver. L'utiliser. Pour arrêter... Ouais, mais si tu pouvais arrêter de disparaître, ce serait cool. J'ai encore des bouts de... Des morceaux de glace dans ma barbe. Quelle est cette arme? Quel genre d'arme? Où peut-on la trouver? Une arme? Une arme? À moi! Dans la pierre. Non, rien. La clé. Oh putain! Ah, c'est n'importe quoi, comment c'est bugué. Nordimbad? Je vous en prie. Sauvez. Non mais. Oh là 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 là. Nordimbad.
C'est trop tard. Il est mort. Oh. Mais il y en a peut-être d'autres comme lui dans cette forteresse. Oh, sympa. Oui. Et il cherche une sorte d'arme. Venez, allons voir si nous pouvons les trouver. Bah écoute, allons-y, hein. Intérieur du monde. Oh, c'est triste. Déjà, on va voir s'il n'y a pas des trésors cachés, des trucs sympas, ouais. Ça pourrait le faire. Ouais, non. Oh, attendez, on peut... Non, c'est juste de la merde. Ok, on peut foncer. C'est parti. Let's go, bitches. Waouh. C'est beau. Les mines de la Moria. Non, c'est pas du tout les mines de la Moria. On est dans une autre montagne. Mais bon, c'est tout aussi classe, hein. J'aime beaucoup le style ville souterraine. Bah, là, c'est carrément une ville. Ils aiment altérer les œuvres des autres et les détourner. D'accord. Ok, il va y avoir du fight, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et en tout cas, il y a plein de... Plein d'or, ouais. Effectivement. Beaucoup d'or. Ici, je sens le gros secret. Non, c'était de la merde. Ok, on va pas pouvoir faire demi-tour. Un gobelin de merde que je déboîte en deux coups, les gars. En deux coups. Hein. Vous avez noté en deux coups. Bon. Alors. Salut, les mecs. On s'incruste dans la... Wow. Oh, dans les fenêtres et tout. Par les fenêtres. Parce que dans les fenêtres, c'est... Ça, lui, il prend cher. Wow, comment j'évite ça? Yeah. J'ai plus de... Oh, dans le genou. Allez, c'est parti. Allez. Bon, lui, on l'a dézingué. Bah, il faut avancer, on n'a pas le choix. Ressentez ma colère et mon désespoir. Oh oui, ça, c'était beau. Yeah. Je suis trop rapide. Ah mais il se retourne le bougre. Il se retourne. Allez, va mourir. Ils sont plus faciles à... Yeah. Là je vous donne du rêve là. Il fait mal. Ouh, la petite popo, génial, je venais d'en utiliser une. Et il donne pas mal d'XP, 168 d'XP, c'est franchement très bien. Et, yeah. Par contre, il y a ces archers de merde. Ouh, le headshot. C'est quoi ces archers de mes deux là? Bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas un problème. Il n'y a pas besoin de les tuer pour avancer. Ah, et un checkpoint. Je pense qu'on va s'arrêter là. Attendez, c'est quoi ça? Ah non, attendez, il y a encore du stuff à looter. Je reconnais ces signes. Un ranger a homme du gardien, grand de plume. Attendez, yes, homme du gardien. Non, il est moins bien. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Tu as trouvé quelque chose apparemment. Nouveau secret découvert. Ouh, épée à deux mains. Ah non, c'est une épée à deux mains. Je ne pourrais pas l'utiliser malheureusement. Si? Ah, elle est pas mal, voyons voir. Elle est pas très belle, hein. Elle est pas très belle, mais on pourrait essayer. Mais celle-là, elle est vraiment pétée. Mais du coup, bah on arrive... Ah, attendez, j'ai pas vu. Non, c'est le coffre, je l'ai fait. Mais du coup, on va s'arrêter là, les amis. On va passer ça, et puis on va se laisser là. En tout cas, bon, les épisodes de 30 minutes, je sais, c'est pas... C'est peut-être un petit peu court pour ce genre de jeu, mais bon... Là, je suis un peu obligé. En tout cas, je veux finir ce jeu. Je le finirai, même si je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde. Mais moi, ça me fait plaisir quand même de le faire. Voilà. Donc, on va s'arrêter ici. Je veux le finir. J'avais dit que je le finirais. Donc, je veux le finir. Allez, sur ce, les amis, lâchez un petit j'aime. Un petit commentaire. Tout ce que vous voulez. Bon. Tac. J'espère quand même que vous aimerez voir la suite de ce jeu qui est quand même... bon, il est sympa. Non, c'est pas toi que je veux viser. Yeah. Qui est... Ouais, qui a du... Qui est franchement... Qui est pas... Faut le dire. Bon, allez, sur ce, les amis.
à la prochaine et portez-vous bien. Salut à tous.